Voici le deuxième livre des Incorruptibles. Le jour de la gazelle, écrit par Pascal Brissy et illustré par Sylvain Diez, aux éditions Frimousse. C'est marqué « Merci à l'ami Jean Leroy qui a fait se rencontrer le lion et la gazelle ». PB pour Meryl Streep et Robert Redford, sans oublier ma mère, SD. Le jour de la gazelle, Pascal Brissy, Sylvain Diez. Chut, pas un bruit, le lion est à la chasse. Le fauve se cache dans les roseaux. Il guette une gazelle au bord de l'eau. Il s'en lèche déjà les babines. Miaan, sa proie ne se doute de rien. Sûr, l'affaire sera réglée en trois coups de dents. Attention, le lion bondit. Grrr ! Mais soudain, la gazelle s'écarte pour protester d'un cri. Stop ! Le lion sursaute et répète stupéfait. Comment ça, stop ? Ni une ni deux, la gazelle s'exclame en colère. « Non mais je rêve! Vous n'avez pas entendu parler du jour de la gazelle ?» Voyant l'air bêta du lion, elle poursuit. « Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Vous devez prendre soin de moi jusqu'au coucher du soleil. Nous autres gazelles avons assez de soucis tout le reste de l'année. » Quand tout à coup, deux hyènes sortent de leur cachette, toutes griffes dehors. Mais le lion leur barre le passage aussitôt. Stop ! Jour de la gazelle ! Les nouveaux venus restent interloqués. Ils déclarent bientôt en faisant marche arrière, de peur de passer pour des idiots. Jour de la gazelle ? Où avions-nous la tête ? Bonne journée, mademoiselle ! Un peu plus loin, la savane voit défiler le drôle de duo. Une gazelle escortée d'un lion. C'est assez étonnant. Un éclat de rire interrompt nos amis. C'est un léopard. Le félin se moque et se roule sur le sol. Regardez-les, ces deux-là. Alors, la gazelle tourne la tête et commence à bouder. Vite, le lion se précipite d'un air affolé. « Arrête, malheureux ! Tu ne sais pas que c'est le jour de la gazelle ?» Le léopard reste bouche bée en apprenant la consigne. La gazelle en profite pour lui demander. « Eh bien, mon ami, rendez-vous utile ? Allez me cueillir des fleurs ?» Le léopard grogne, prêt à se fâcher. « Des fleurs ? Et puis quoi encore ?» Mais face au regard du lion qui trottine près de sa protégée comme un toutou, il préfère obéir avant de déguerpir. Pouah, bon débarras. Un moment plus tard, c'est un crocodile en quête d'un déjeuner qui s'ajoute à la fête. Le croco sort de sa rivière et croit rêver. Une gazelle, miam, quelle aubaine! Mais une fois encore, le lion refoule tous les gourmands. « Taratata, jour de la gazelle, on ne passe pas !» Et plus personne n'a le droit d'approcher à moins de trois pas d'éléphant. Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin. La journée s'achève avec les derniers rayons du soleil. Le lion, patient un jour entier, marmonne aussitôt dans ses moustaches. « Je vais me régaler !» Un, deux, trois, voilà! Le lion ouvre la gueule en grand. À table!
Ah non, non, pas question. Maintenant, c'est la journée du lion, le seul jour de l'année où ils sont sages comme des images. Et voilà. Bonne journée.